Baptiste est avec nous en direct depuis l'espace citoyen. Je pense que le problème de son est résolu. On va pouvoir retrouver Baptiste. Baptiste, c'est à toi. Alors oui Bertrand, effectivement, voilà, je suis bien avec toi à l'espace citoyen. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on s'est mis au chaud parce que dehors, ça pince sévère aujourd'hui. Je suis avec Sabrina, qui est en charge notamment de ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour Sabrina, ces après-midi récréatives, qu'est-ce que c'est justement? Explique-nous tout. Alors les après-midi récréatives, c'est destiné à la population de Saint-Quentin et de la communauté d'agglomération. On se présente, nous et les services civiques, dans les au casino pour le Faubourg-d'Ille, on va à la salle Paringo pour le quartier Saint-Jean, au centre-ville on reste ici et on a aussi au niveau du quartier Saint-Martin la mairie annexe. Donc on se déplace et on propose aux personnes, aux usagers. Alors justement, pourquoi avoir mis ces après-midi récréatives en place? L'objectif principal de cela, c'est quoi? L'objectif principal, en fait, c'est de sortir les gens de la sédentarité qui mène souvent à l'isolement social. Mais justement, on voit que les gens répondent présents, que ce soit dans les quartiers ou ici, justement, à l'espace citoyen, on ira voir ces gens dans quelques instants. C'est important de garder quelque part ce lien social, ce lien qu'on avait peut-être perdu, notamment avec la Covid-19. Oui, c'est très important et on ressent le besoin des usagers qui, en plus, en ce moment, on peut s'apercevoir que le taux de fréquentation augmente de plus en plus au fil des activités. Bon, est-ce que le froid en ce moment, ça fait sortir les gens ou justement ils restent un peu chez eux? C'est compliqué de les faire sortir avec ces températures un petit peu glaciales actuellement? Ah, ça, c'est, on va dire, c'est un peu le sens logique. Quand il fait vraiment très froid, on accueille principalement un public qui est senior. Ils préfèrent rester un peu au chaud aussi à la maison et c'est tout à fait normal. Justement, ces seniors qui ne sont pas sortis aujourd'hui parce qu'il fait froid, qui sont avec nous devant leur poste de télévision, comment ils peuvent faire pour venir s'inscrire et participer à ces activités qui sont plutôt plaisantes, on le voit? Alors c'est très simple, l'espace citoyen diffuse deux programmes d'activités, un programme qui est essentiellement ciblé sur les activités que nous proposons au sein de cet espace chez nous, et donc le programme des après-midi récréatifs qui sort aussi, vous pouvez les retrouver au niveau des centres sociaux, sur le Facebook de la ville de Saint-Quentin et aussi dans les locaux de la ville de Saint-Quentin. Alors les activités qui sont proposées, il y en a beaucoup, il y a des jeux de société, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous proposez? Parce que chaque jour, c'est une activité différente forcément pour éviter cette lassitude. Oui, bien sûr, on essaye de diversifier un peu nos activités. Donc on propose des visites culturelles, des activités manuelles, des activités physiques, j'ai un petit des spectacles. J'ai un trou. J'ai même vu qu'il y avait de la magie qui était prévue bientôt. Hein. Oui, voilà, nous avons aussi un spectacle de magie qui est prévu à la salle Pago, incessamment sous peu. Est-ce qu'on peut rappeler les critères pour venir s'inscrire? Et on rappelle bien évidemment que c'est totalement gratuit. L'ensemble des activités sont totalement gratuites et ouvertes quasi à tout le monde. Oui, tout est gratuit. Le seul critère, c'est qu'il faut s'inscrire. Donc, à la citoyen au 03 23 06 96. Et tout simplement, donc, ouvert à toute la population, que ce soit des enfants, des adultes ou des seniors. Donc voilà, ça va durer encore très très longtemps et on va rappeler une dernière fois que ce lien social, c'est quelque chose qui est très très important et c'est un petit peu la ligne directrice des activités que vous mettez en place avec notamment ces après-midi récréatives. Oui, ça c'est vraiment, c'est notre ligne de conduite en fait, de sortir un peu les gens de leur isolement, de leur proposer de partager justement des moments conviviaux et donc de rencontrer d'autres personnes et de se divertir tout simplement en fait. Et ben voilà, se divertir tout simplement, c'est vraiment le maître mot de ces activités, de ces après-midi récréatives. Et nous, on va aller à la rencontre des seniors qui sont là aujourd'hui, qui partagent un très très bon moment. On l'entend, j'entends des rires, forcément, c'est quelque chose qui est très plaisant. Bertrand, je te rends la parole et nous, on se retrouve juste après et peut-être qu'on va jouer un petit peu. Baptiste, vous avez tout à fait raison. Et puis, on invite toute la population saint-quentinoise, tous les seniors qui cherchent des occupations à se rendre à l'espace citoyen et à participer à ces après-midi. Ils sont toujours à l'espace citoyen. On va voir si ça fonctionne. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est une journée avec. Baptiste, ça fonctionne. Vous êtes toujours à l'espace citoyen avec les participants de ces après-midi. On est avec vous. Et oui Bertrand, on est
ici à l'espace citoyen qui se situe dans l'espace Victor Bach à Saint-Quentin. Et ce que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui sont là cet après-midi, qui sont venues passer un bon moment tout simplement. Je vais m'asseoir avec eux, je vais vous couper la partie un tout petit peu parce que je suis à côté d'Arlette. Arlette, bonjour. Dites-moi pourquoi vous êtes venue ici à l'espace citoyen. Dites-moi tout, moi je suis très curieux, ainsi que les téléspectateurs. Tout, dites-moi tout. Donc, pourquoi je suis venue ici? Pourquoi nous sommes venus ici? On est venus en couple. Et dans le but de rencontrer des personnes, la convivialité. Bon, on avait été attirés par le thème du jour qui était un quiz sur Saint-Quentin, mais qui ne peut pas se réaliser, par manque de participants. Donc, on appelle aux Saint-Quentinois, venez profiter du programme qui est proposé, parce que les après-midi récréatives, c'est varié hein, en activité. Et le but, c'est de faire rencontrer les gens, de continuer, parce que bon, là, du coup, on joue un jeu de société qu'on ne connaissait pas, qui ne nous aurait peut-être pas attirés comme ça, mais le fait de le faire devient intéressant. Tout ce à quoi on s'intéresse devient intéressant, par définition, c'est mon avis. Rien n'est. Il ne faut bannir rien, hein, dire oh non, ça ne m'intéresse pas, il faut s'y intéresser. Donc voilà, on participe à quelques après-midi comme ça. On est ouvert à toutes les possibilités. Et c'est vrai que c'est bien. On reçoit ça sur nos programmes et dans la boîte à lettres ou sur nos téléphones. Il suffit de s'y intéresser pour savoir ce qu'il existe et puis de rencontrer d'autres personnes qui ont participé aussi à d'autres activités dans d'autres endroits. Ça fait que... Bon, vous êtes une très bonne VRP, hein. Vous avez vendu le truc très très bien. Mais justement, comment vous avez connu ces activités? On a connu, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes d'anciens Saint-Quentinois qui étions sur Saint-Quentin pour le travail. On est partis avant à la campagne et on revient sur Saint-Quentin en tant que retraités. Et donc là, avec du temps, et on redécouvre la ville différemment du fait qu'on a du temps. Comment on a connu ces activités? C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment du Covid, privé de tout, donc c'est vrai que c'était compliqué. Donc on a saisi les occasions, on a eu l'opportunité d'avoir ces documents qui nous sont tombés dans la boîte à lettres, et puis à partir de là, on s'est renseigné, on s'est inscrit. L'année dernière, on est venu au cours de code, aux révisions de cours de code. C'est pas mal, hein? Vous l'avez eu, j'espère. Mais on n'a malheureusement pas pu aller jusqu'à la dernière séance. Mais bon, les révisions qu'on a faites ont été utiles. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Jean-Pierre aussi? Tu as fait smartphone et tablette. On fait... J'ai l'impression que Jean-Pierre est très concentré. Hein. Il faut pas le faire quitter de sa partie. Oui. D'ailleurs, il y a pris goût. Hein. Et donc, voilà. Justement, on va aller voir Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous avez gagné, vous êtes très content. Est-ce que vous partagez un petit peu la vie de votre femme? Ah bah tout à fait, parce que je suis à ses bottes. Je cours après. Non, mais c'est des activités qu'on fait ensemble. Hein. Sauf la gymnastique, comment dire, la gymnastique sportive. Je ne sais pas où tu la pratiques. Non. Puis le temps s'écoule bien. Il n'y a pas de problème. On rappelle que les gens qui sont à côté de vous, là, autour de la table, vous les connaissiez pas avant? Pas du tout, non, justement. Donc, on échange et on a les expériences de chacune qui nous apprennent des choses. Il y a des retombées, forcément.